On est parti en avion sur Héros et Généraux, bataille de guerre. C'est rare que j'ai l'occasion de prendre un avion. J'en profite un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Alors la bombe. Yeah! 15 éléments de véhicules détruits. Mon avion, celui-là, le Focke-Wulf, il est conçu pour faire du combat interavion. Parce que c'est là que j'ai le plus de mal et qu'avec l'autre je me fais systématiquement détruire. Donc je lui ai laissé tout ce qu'il faut pour faire des dégâts aux véhicules. Comme ils avaient pas mal de chars de sortie, je me suis dit que c'était l'occasion de s'en servir un peu. Sinon j'utilise l'autre qui est plus spécialisé contre les fantassins. Alors... plus c'est des chars légers, ça se pète assez facilement. Hop, assistance de destruction. Par contre, il s'est crash, c'est dommage. Alors, est-ce qu'il y a encore de la voiture qui roule? On va reprendre un peu de vitesse. J'ai l'impression de me traîner. Alors qu'il a un moteur vraiment nickel. Par rapport à l'avion de reconnaissance, il est terriblement rapide. Alors. Ah, il y a du char là. Hop, mais je vais avoir du mal à toucher. Oh, un APC. J'ai pas encore ma bombe. Je pense que l'APC est notre cible prioritaire. Ah, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Je suis chaud avec l'autre avion. Ah, il y a un petit char qui flotte. Alors, l'APC, je crois qu'il a tourné à gauche. Je largue ma bombe aussi, pas forcément sur l'APC. Oh, je pense que je suis pas assez loin. Ah, destruction de véhicule, je pense que c'était l'APC. Ça, c'est quoi? C'est un anti-aérien? Je me demande bien. Non, non, c'est un char. Tant mieux pour moi. J'avoue que je fais pas très attention, parce que la probabilité que je rentre dans un avion allié est faible, mais quand même. Un moment où ça pourrait finir par m'arriver. Bon, lui il est comme ça, on va se mettre dans un angle correct pour pouvoir le tirer dessus. Pense qu'on est pas mal là. Je ne vois plus. Il est là. Ah, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Je pense que j'ai cassé les réservoirs visibles. Décroche, dégâts de blindage, ouais. Je fais pas beaucoup de dommages. J'ai un petit coup de lag, je me demande si c'est pas un truc de fumée d'avion ou de je sais pas quoi. En tout cas, les FPS qui descendent. Alors, quelqu'un a l'anti-aérien? Mort. Personne par là. Il est un peu trop caché pour moi. On va s'éloigner en prenant un axe pas mal. Nouvelle bombe. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, je crois qu'il est encore vivant. Ah, pas sûr. Ou alors j'ai tiré trop loin. J'ai pas fait de dégâts de bombe. Il est déjà mort? Ouais, c'est ça, il est mort. Bon. Il y a un allié qui a dû mettre la bombe pile dessus ou un truc du genre. Bon, c'est marrant ce genre de partie. Je sais pas si on va gagner, mais. C'est pas la bonne technique pour gagner.
Ah, mais arrêtez de m'embêter, vous! Ah, ça tire de leur spawn. Fait beaucoup de dégâts. Aïe, l'anti-aérien il m'a descendu. Je vais devoir aller me poser moi. Là-haut. Alors, c'est pas l'avion le plus facile à poser. Parce qu'il faut une grande zone pour décoller. On va attendre la fin du réapprovisionnement quand même. Hop, nickel. Tic tic tic. Ah, je savais pas que ça s'écrivait Focke-Wulf. Il me semble que ça se prononce Focke-Wulf. Après, c'est de l'allemand. Ouf. J'avais pas pris beaucoup de vitesse avant le petit saut. Apparemment, c'est bon. On a cap, nickel. Eh ben, on va spawn kill un peu, hein. Que faire d'autre? Ou je m'acharne sur ce petit. C'est pété, non? Il est vivant. Hop, je l'ai détruit. J'ai eu un peu peur de rentrer dans l'allié. Alors. Il y a bien un truc qui va spawn. Ah. C'est pas croyable. Ils sont 18, hein, y a pas de. Ils ont un APC? Ah, je suis pas bien, mais. Je les vois pas spawn. Hop, j'ai vu une moto, j'ai sauté sur l'occasion. Élément de véhicule endommagé 21. Ah, il y a un APC. On le touche pas, il est. Ah, il s'est fait détruire. Ok. Maintenant, il spawn, alors spawn. Devant là, probablement. Je sais pas si c'était un tir de PTRS, mais il y a un truc qui est passé pas très loin. Probablement un anti-aérien plutôt. Et l'autre avion il passe proche et il fait rien. Ok, c'est pas grave. Bientôt le réapprovisionnement. On va pas lâcher la bombe, il y a un allié trop proche. Ah, ça me tire depuis la tour. Ah. Pas mal. J'ai eu l'assistance de destruction de véhicule alors que c'est le char qui a écrasé la voiture. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais bon. Aïe aïe aïe. Ah non, crotte. Il m'a descendu à une vitesse incroyable. Tout est une histoire de ça touche pas.
C'est pas mal, comme ça je vais pouvoir finir la partie. Ça grouille d'alliés par là. Parce qu'il faut quand même un peu plus de monde dans le point. On n'a plus d'avion de toute façon. J'aurais pas pu respawn avec un avion. Ah. Ce mec agit bizarrement. Il a commencé à tirer presque avant que j'apparaisse. Et il s'est arrêté de tirer bien après que je sois mort. On va juste l'éviter. On est en train de capot 2. Ah! Il y a du monde là. Hop, bonjour toi. Ça fait poc pas loin. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la tour. On va s'en moquer pour l'instant. Ah, c'est un allié en plus. Mince. Il est où? Il est là. Je pense qu'il continue d'arriver de ce côté-là. Ah, pas sûr. Colimaçon peut-être. Ah! Je pense que j'étais à l'endroit de sa tête. Juste pas eu le temps de tirer. On s'en sort pas mal. Quand même. Tu veux pas monter toi? Ok. Ah, l'allié, il s'est fait tuer. Par une balle perdue alors, c'est incroyable. Ça descend, mince. Ah, je pensais que je l'avais tué. Je savais pas trop s'il m'avait repéré ou pas. Bah je vais me charger des deux APC peut-être. Un puis l'autre. Celui qui est visible depuis le point, à mon avis, il va pas faire long feu. L'autre, il est un peu plus caché. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Je pense que je nous ai évité une mort terrible. Ça fait un moment qu'on est à plus de 50% de capture de points. On va être prudent avec le char dans les environs. C'est-à-dire passer derrière lui en fait. Ce sera peut-être pas nécessaire. En effet. J'espère que cette partie en aviateur vous aura plu. En aviateur et en fantassin pour la terminer.